You, me, and you actually achieve later. Yeah. Count. I love Saint-Martin's Day. Time is forever and around. Vous allez à peu près au milieu. Ça coupe! Cut! The session one is finished. Coucou les chéris, on espère que vous allez bien, en tout cas nous. Ça va! Aujourd'hui, on se retrouve pour une super soirée Big Pyjama Valentine's Day. Vous allez passer la soirée de la Saint-Valentin avec nous. Voilà, tu es notre invité spécial aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai posté une vidéo il y a une quinzaine de jours où on a fait une big commande Shane dans le thème de la Saint-Valentin. C'est vrai qu'on a nos beaux pyjamas cœur là. Et avec les filles, on va se faire une big soirée pyjama party mère-fille. Donc, on va commencer par tout décorer. Non, on va commencer par faire les pizzas. Voilà, on va se faire. On va faire le manger, comme ça pendant que le manger cuit. On va tout décorer et on va passer notre meilleure soirée. Voilà. Et chérie, vous savez qu'avec nous, on passe toujours des bonnes soirées. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi. Like et commente. Active la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et surtout, si tu ne nous suis pas encore sur tous nos réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste ici, un seul pseudo, Molly Mof. Rejoins-nous partout pour ne rien rater, puisque comme je vous le dis à chaque fois, je vous partage des univers différents sur tous les réseaux sociaux. Donc là, nous avons de la pâte à pizza. Voilà, nous avons acheté un emporte-pièce comme ça en cœur pour faire des mini pizzas en forme de cœur. Et on va faire des pizzas toutes simples, sauce tomate, voilà, sauce tomate, fromage. Lilia, peut-être qu'elle va se mettre un peu de viande hachée. Voilà, une fois que les pizzas sont prêtes, on vous les montre. Et ensuite, on fait notre super déco de la soirée, pyjama de la Saint-Valentin. Et on va se caler tranquillement, on va se regarder un bon film. Voilà. Bon là, on a les filles qui commencent à découper la pâte à pizza pour faire des pizzas en forme de cœur. Je me demande... Lilia du coup elle a fait la taille un petit peu plus en dessous. Elle est dans l'ambiance Lilia. Là je me demande si je coupe des pizzas ou si je fais les bras. Il faut faire un peu comme ça, faut pas appuyer fort, faut juste que tu fais un peu comme ça. Je fais, mais au début il faut bien... Non, tu fais droite-gauche comme bien... ça. Moi je dis en vrai je peux vous faire un petit playback chanson. Non, non mais là tu découpes pas, je fais chaque vidéo. Tu vois. Non, faut que tu... Il faut plus décoller, hein. Tu gaspilles de la pâte. Ici on a notre déco. On va installer, vous rappeler, on a tout ce qu'il faut pour être dans le thème. Donc voilà, nous avons nos mini pizzas en forme de cœur. Elles sont trop minces. Elles sont trop kawaii. Ouais. Et maintenant, on met notre sauce à pizza préférée. Vous le savez, Tata Emma, elle prend toujours la pizza mouti. Tout le temps. Oui, je vous la montre parce qu'il y en a de plus en plus d'abonnés tous les jours. Il y en a des nouvelles. Mais non, mais c'est parce que. Mais non, c'est pas pour ça que je dis. C'est parce qu'à la soirée d'Halloween, on l'a montré à toutes nos petites soirées. Oui, on la montre. Comme ça, si eux ils veulent faire pareil, ils font comme nous. Mais ouais, elle est trop bonne, je vous la reconseille. Moi, des fois, je trempe mon pizza. Donc voilà, on fait ça sur toutes les pizzas, on les garnit et ensuite on enfourne. Voilà. Eh ben oui, même plus les Italiens, c'est réputé pour être les plus romantiques. Ouais. Ouais. On a acheté aussi des boissons roses. Ah ouais. On va voir ce que ça donne. Je vais acheter des paillettes, moi. Je vais acheter des fois, on achète des paillettes comestibles, ouais. Là, j'ai peut-être abusé un peu. Si on prend des paillettes. Et après, on se fait une activité by Lilia. On leur montre après, Voilà. On leur montrera après l'activité. Restez bien avec nous sur la vidéo. Donc je vais commencer à gonfler les ballons parce que eux elles sont en train de finir les pizzas et moi je m'ennuie donc du coup j'ai gonflé les ballons. Bon du coup là c'est parti pour le dessert, j'ai lavé les fraises et je vous montre, je vais les faire là-dedans du coup. Bon les gars, je joue avec les ballons derrière. Et là, ça va être cool qu'on boit, c'est des flûtes à champagne. Et en fait, je vous explique, je vais mettre le sucre là autour, vous savez. Bref, du coup, je vais commencer par couper les fraises. Enfin, couper ça là, des fraises. Ah, ça fait un peu trop vert. Couper ça là, des fraises, la petite herbe. Faut que je prenne un couteau. C'est peut-être mieux pour couper. Voilà, on va couper ça là. Moi je coupe aussi le blanc, j'aime pas le blanc. Du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais couper mes fraises en petits morceaux. J'ai pris de la crème fraîche, je vais faire crème fraîche sucre du coup. Et après je vais mettre ce chocolat pour ma mère et moi je vais mettre du galage par dessus.
celui-là, là, le Nestlé. Il est incroyable, chocolat blanc. Du coup, ça, je vais faire basique. Hein, vous savez, comme quand vous mangez des fraises, je sais pas si vous avez l'habitude de le faire. Nous, on fait ça, fraises dans petits morceaux et sucre. Je vous montrerai après. Monia qui nous prépare les super desserts. Donc elle a mis les fraises. Maintenant elle met de la crème semi-épaisse. C'est trop bon, on le fait souvent. On rajoute du sucre. Mélanger. On va nous faire des super desserts. Bon, ça y est, mes fraises sont prêtes. J'ai mis le sucre et tout. Du coup maintenant je vais mettre le chocolate. Donc on va mettre chocolat blanc. Pas la mine. Je vais en faire des petits morceaux parce que là on a des gros carrés. Les desserts sont finis. J'ai mis des petits cœurs dedans, des coups. Regardez comment c'est trop mimes. Ça, c'est une de ma mère au chocolat au lait et le mien au chocolat blanc. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment je mets le sucre sur les coupes de champagne. Et on va continuer la déco. Yes, et on va continuer la déco. Et moi, je vais vous montrer comment je mets ça dessus. Mais je trouve pas le chiffon pour nettoyer. Maintenant, on va ouvrir le canapé et Lydia va vous montrer puisqu'elle sait tout faire. Donc, on pousse la table basse. Bah, tu sais le faire quand même. Vas-y, Lydia. Elle t'aide, mais quand même. Et d'ailleurs, c'est super pratique parce que le canapé, vous nous demandez souvent d'où il vient. Alors, je sais qu'il doit intéresser vos mamans. Ou voilà, je sais qu'il y a aussi des mamans qui nous regardent. Et il est super pratique pour les soirées pyjama, ce canapé. Donc, c'est un Ikea. C'est le Vimle. Je vais vous écrire le nom du canapé juste ici. Et en fait, vous pouvez le composer de la taille que vous voulez. Ouais, donc, moi, vous voyez ici, j'ai fait. Voilà, on peut choisir si vous voulez. Là, vous pouvez faire que deux parties. Vous arrêtez là et mettre l'accoudoir. Moi j'ai décidé de faire trois parties ici puisque bon, j'avais la place jusqu'à là. Et là du coup pour le deux parties vous pouvez mettre un deux parties simple ou un deux parties qui se convertit en lit. Et moi j'ai pris celui qui se convertit en lit parce qu'on fait souvent des soirées pyjama depuis qu'elles sont toutes petites. Et à chaque fois il fallait descendre, les matelas et tout, c'était compliqué. Donc là c'est mieux comme ça. Je prends ma petite coupe de champagne. Je me suis fait une assiette avec du sucre. Je sais pas si je peux vous montrer. Une mini assiette avec du sucre. J'ai pris du citron vert. Mais en fait ils sont un peu secs, les citrons verts. Et là je viens faire comme ça, vraiment bien autour pour mettre du jus. Parce qu'en fait le jus il est collant. Et du coup bah, avec le sucre ça va bien coller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous mettez avec de l'eau, ça va pas bien coller parce que c'est pas collant. Alors que le citron c'est un jus un peu collant vu que c'est un peu sucré. Et je pense qu'en plus, je me semble que le citron vert c'est plus sucré que le citron jaune. Du coup j'ai pris du citron vert moi aussi. Un peu vieux mais bon. Bon voilà, maintenant que j'en ai mis sur tous les côtés. Bon, il y en a un qui a coulé là mais c'est pas grave. Après je nettoierai. Du coup maintenant je le trempe dans ça. Attendez, je vais vous montrer le sucre. Voilà. Donc là en fait ce que je fais c'est que je trempe ma coupe de champagne dans le sucre. Je vais le faire monter bien là comme ça. Voilà. Et vous voyez, vous avez tout le sucre comme ça. Et ça va être trop beau. J'aime trop. Voilà, je fais pour les trois. Bon les chéris, voilà ce que ça donne une fois ouvert. Donc là on a notre lit. Maintenant on fait toute notre déco. Voilà, on a tous les ballons qui sont ici. On a tout plein de déco, qui est là. On va tout installer, on a tout. Regarde, monte-toi. Monia, elle vient de finir de préparer nos jolis cocktails de la Saint-Valentin pour notre soirée en amoureuse. On a pris du pulco à la citronnette framboise. Voilà. Voilà. Là, on a nos desserts qui sont prêts. Peut-être que je les mets au frais, non? Les desserts? Ouais. Les mettre trop fraîche. Allez, nous, on fait la déco? Oui. On installe les cœurs. Le Molième. L'hôtel de la Saint-Valentin. C'est Lydia, on l'a perdu. Are you béni? Nanana est un fruit. C'est le 2. Ça prend forme, les chéris. Ça prend forme, notre petite soirée. On met ça, on met des petits cœurs ou pas sur le lit. C'est moi qui prends place. Les pizzas sont prêtes, elles sont sorties du four. Et regardez, vu qu'on a cette petite assiette, je pense que je vais mettre des pizzas là-dedans. Un souci. Ça nous met des petites bougies. Elle finit la décoration. Maman, c'est trop beau, je suis vraiment fan. Voilà notre petite installation pour notre soirée pyjama de la Saint-Valentin. Les bougies, c'est trop beau. Et chérie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors dites-nous ce que vous pensez de notre décoration.
Voilà, nos petites pizzas sont là. Là, on a nos petites boissons, notre petit bouquet de fleurs de nounours. Et là, on a tout pour faire notre activité enveloppe de la Saint-Valentin. Donc, on va d'abord manger. Et ensuite, j'ai trop faim, hein. On va vous faire l'activité. Donc, on a fini de manger. Donc là, on va prendre le dessert. Monia, elle mange ses fraises. Voilà. Maman. Maman, elle mange aussi ses fraises, mais je suis pas fan des morceaux de chocolat. Alors du coup, je les trie, je les mange pas. On finit notre dessert et on passe à l'activité de la Saint-Valentin by Lilia. Et moi, vu que je n'aime pas les fraises... Kitty ! Vu que je n'aime pas les fraises, je me suis pris des petits gâteaux comme ça, en forme de cœur, pour rester dans le thème. You, me, and you are a creative later. Yeah. Count. Cette Saint-Valentin, on a voulu faire quelque chose d'original. On s'est dit, on va pas faire une skincare, on va pas faire un make-up, on va pas faire tout ça. On fait une activity. Bye, Lilia. Voilà. Donc... voilà tout ce qu'elle nous a préparé, Lilia, pour cette activité. Nous avâmes des petites feuilles colorées, cartonnées. Hein. De chez Action. Donc si vous voulez les mêmes, vous allez chez Action, les filles. Hein. Nous avons une grosse palette de feutres. Qui vient de chez Amazon. Je vais essayer de vous mettre la référence en description. Comme ça, si vous voulez commander, franchement, ils sont pas très chers. Ils sont incroyables. La mine fine, vous voyez, de ce côté vous avez la mine fine, de ce côté vous avez l'embout pinceau. C'est l'inverse, on peut savoir. Voilà. Voilà. Ensuite. Ok, je te laisse. Ensuite. Bon, j'ai pris des feuilles blanches, A4. A4. Ensuite, j'ai pris ce petit panier de chez Action, où j'ai mis des petits ciseaux, des trucs de colle comme ça, donc on les a achetés chez Action, donc c'est des rouleaux de colle. C'est des rouleaux de code. C'est des rouleaux de code. C'est un ciseau pour couper. Ah, d'ailleurs, les filles, les abonnés demandent souvent, est-ce qu'elles se disputent beaucoup? Non, ça va. Ça dépend. Quand je vois certains frères et sœurs, moi, je trouve qu'on se dispute pas. Après, j'ai pris trois stylos, trop kawaii, voilà. Qui viennent de chez Chine. Pour écrire... et un petit exemple, si jamais vous voulez. Donc celle-ci, c'est maman qui l'a fait, par exemple, Valentinska. Je vous ai mis une petite enveloppe. Et c'est vrai que moi, tu m'as pas mis de... Je sais pas si tu as mis des tiennes. Et là, c'est celle de Lilia. Je te retiens. Voilà. Donc là, on va faire les nôtres de ce soir. Les grandes. Et après, on fera des... Du coup, on va vous expliquer tout, comment on fait le pliage et tout ça, tout ça. Alors le mieux, c'est de le faire avec des feuilles cartonnées. Parce que si tu le fais avec des feuilles cartonnées... du coup, elle est plus solide. Mais ça, c'est pas l'enveloppe. Mais ça, c'est pas carré. Alors, il faut que ce soit un carré. Soit tu fais un carré, du coup, elle sera un peu petite. Mais non, mais ça sera joli. Moi, je vais faire avec la feuille cartonnée. Moi, c'est. Ça va. Elle sera pas très grande. Pour les petites, mais... ça. Oui, mais c'est pas grave. On peut en faire une quand même là. Elle sera pas très petite, je pense. Mais là, tu peux faire des dessins. Si, je la dessine moi. Mais si, tu peux dessiner quand même dessus. Bon, ben. On peut faire une de chaque. Hein. Moi, je vais prendre ça. Ok. Ouais, j'avoue, une de chaque, ouais. De toute façon, avec une, vu qu'on va les couper en deux pour faire un carré, bah, du coup, on en fait deux. Je pense que ça fera un carré. Hein. Oui. Mounia, je fais un truc. Non, tu me colles pas. C'est trop mignon. T'en as rien. Alors, on va leur expliquer comment on commence. Alors, moi, je prends quoi comme couleur? Moi, j'ai plié en deux. Pour marquer le milieu. Il y a quoi? Je prends ce ciseau. Parce qu'il faut absolument un carré. Hein? Il faut absolument que ce soit carré. Et là, maintenant que j'ai ma marcation, je viens couper là où il y a la marcation. Oh, j'aime trop couper les feuilles cartonnées. Il est trop mignon ce petit. Oui, mais même couper les feuilles cartonnées. Pas fait la lumière. Donc là, on a choisi nos feuilles cartonnées. Mignon, elle a pris rose. Moi, j'ai pris des orange. Coupes orange. Parfaitement. Et maman, elle a pris rose. Moi, j'ai voulu prendre orange. Et là, on va prendre les feutres et on va faire des petits dessins. Et on vous montre dès que les dessins sont faits pour faire le pliage. Non, moi, je vais leur parler. Moi, je pense que je vais prendre mon ce nuancier. Vous avez pas trop les mêmes couleurs, mais presque. Je pense que je vais prendre dans le rose là. Qui est là par ici dans toute cette tranche là, parce qu'après vous voyez on a violet, jaune fluo, jaune, orange, bleu foncé, vert foncé. Là on a des gris, des marrons, des beiges, un peu des verts. Là il y a plein de bleu encore, et là il y a encore des verts un peu. Donc voilà, moi je vais prendre dans les roses
ce vieux rose là, il m'attire bien. Ce petit vieux rose. Il paraît violet, mais il n'est pas violet. Et ce rose clair aussi m'attire bien, mais je me dis sur ça, ça va pas beaucoup se voir. Ça va faire un mélange assez sympatoche. Parfait. Donc, du rouge. Hein. Moi, je vais. Si un rouge, par contre, je te conseille lui, parce que lui, il est trop foncé. Ah, je connais. Voilà, tiens, lui. Non, mais j'ai pas dit forcément. Donc, moi, je pense que je vais plus partir dans toutes ces teintes qui sont là. Je pense que je vais utiliser du orange. Celui-ci qui est foncé, je l'adore. Comme ça, ça va faire un petit peu des cœurs plus foncés, puisque j'ai envie de faire des cœurs. Voilà, voilà, donc on vous montre les coutumes. Et maman, c'est total mystère. Voilà. Je sais pas encore. Ouais. Donc là, c'est ma petite décoration à moi. Là, vous avez la petite décoration de Lilia. Et là, vous avez la petite décoration de Monia. Très simple et minimaliste. Alors, Lilia, elle va vous montrer comment on plie. C'est très passionniste. Hein. Allez. Donc, on prend notre carré. Hein. On le retourne. Bon, vous allez retourner. Voilà. Okay. Dès que vous allez retourner, vous allez mettre en losange. Voilà. Vous allez à peu près au milieu. Faire revenir les deux. Vos deux coins. Voilà. Regarde. Pas au milieu. On y a suivi bien le tuto, hein. Ah, mais je connais, moi. J'en ai déjà fait plusieurs. On plie bien, on plie bien, on plie bien. Voilà. Ensuite, on rabat la petite pointe, là. Ici. Voilà. Mais ça marchera pas avec la colle. Et on rabat tout petit pointy. Là, elle est pas si petite que ça. Hein. C'est mignon, hein. Et puis, en fait, après, vous allez venir mettre votre pli. Vous pouvez le coller ou le scotcher. Moi, c'est ça que j'ai le petit truc de colle. Donc, c'est ça marche, en fait. Je mets... On met un de l'autre côté aussi. Ouais. Et peut-être même un au niveau de la pointe. Ah non, 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 ça va coller. Et ouais. Ok, bon allez, ça tient bien. Bon, ben voilà. Et là, je vais venir faire son petit pli. Faire mon pli. Voilà, voilà. Ma petite enveloppe. Mais c'est pas grave. Voilà, elle tient pas trop bien. Je pense que vous aurez je crois que ouais. Le scotch, voilà, ça serait mieux. Elle est un peu en travers, mais. Elle est pas carrée du tout. Je vais plier la mienne. Et je vais plier la mienne. Et en fait, je vous explique vous pour la fermer. Et là, je vais rajouter un petit message. Aussi, I love you. Ah ouais, la sienne, elle est un peu mieux. Ouais. Bon, je vous montre. Pour la fermer, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre petit truc et vous la mettez derrière. Voilà. Ou sinon, vous prenez un joli petit autocollant. Et une fois que vous l'avez rempli, vous mettez un joli petit autocollant. Aussi. Et elle est en train d'écrire. I love you. I love you. I love you. I love you. I miss forever. I'm not wrong. You make together. Now you're wrong. You make forever. Maman, I love you. Because speak little English. Little speak English. Oh non, j'ai écrit un truc pour le faire. Et voilà ma petite enveloppe à moi, les chéris. Voilà. Je l'ai pliée. Alors, vous pouvez aussi le faire avec des feuilles normales, c'est un peu plus simple, parce que quand c'est feuilles cartonnées et que c'est petit, c'est un peu compliqué à plier et à coller. Mais voilà nos jolies petites enveloppes. Bon, voilà mes chéris, cette incroyable soirée de pyjama de la Saint-Valentin se termine. Maintenant, on va se poser tranquillou, se mettre un petit truc à la télé et faire un gros dodo. C'était une soirée très simple, avec une petite activité très simple. Mais voilà, je vous avais promis que je vous la partagerai plus en détail, cette activité enveloppe de la Saint-Valentin. Lilia tenait à vous montrer bien tout ça en détail. Et comme ça, j'en profite pour tout vous mettre en description, pour tout ce qui est les liens, des feutres et tout ça et tout ça. J'espère que cette soirée vous a plu. Dites-nous si vous aussi, vous faites des fois des petites soirées comme ça avec vos sœurs, vos cousines, vos copines ou votre famille. Nous, on adore faire ce genre de soirée. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. I love you. Ça coupe. Coupe. Cut. The session one is finished. Finished.